La crise économique n'a pas été sans conséquence sur les salaires des employés. Pas moins d'un million d'entre eux exerçant dans le secteur public n'a pas reçu son salaire à la date prévue. Une situation qui a contraint les syndicats à tirer la sonnette d'alarme. Lorsque les salaires n'arrivent pas à temps, cela se répercute sur les employés et leur dette augmente. Le front social est menacé, notamment au vu de la baisse du pouvoir d'achat et l'incapacité de l'employé algérien de subvenir à ses besoins. Du côté des experts, l'on explique ces retards par des raisons purement techniques, n'ayant rien à voir avec la crise économique. En ce qui concerne les retards dans les salaires, surtout pour ce qui est du secteur public, il s'agit probablement de raisons techniques. Une situation difficile à gérer pour l'employé, qui se retrouve finalement contraint d'arrondir difficilement ses fins de mois.